Bonjour, Frère Maximio, comment nous? C'est JFL Cuisine Créole, Jean Fédolin, votre chef à la maison qui est entré là avec nous. Moi, dis-nous merci parce que nous avons suivi. Merci pour confiance et merci pour fidélité nous. Je dis à la m'a préparer un petit homard pour nous parce qu'il y a un pile haïtien qui m'a demandé pour me montrer comment vous préparez un homard. Ok? Pour me commencer, moi, tout commencer directement pour montrer nous homard là. Un homard, généralement, ou cuit ça pendant le vivant. On va dire là, là, il est vivant là. Ok? Est-ce que nous, hein? Comment vous collez là, vous collez avec l'autre là, la brasser là. Quand on a l'acheté ici, vous avez deux pinces, vous mettez l'élastique dans la pince dedans pour ne pas mordre. Quand on a la pomme faire au mal là, mettre l'eau, on a le mettre, fait un coup bouillon. Qui ça pour me faire coup bouillon? Ça, c'est pour nous retenir dans le coup bouillon. Moi, mettez oignon, moi, mettez thym, moi, mettez persil, et puis moi, mettez carotte. Ou te gen, moi, mettez céleri aussi. On a mettre sel dans l'eau. Ton bon coup de sel, OK? Moi mettre poivre en grain. Après ça mettre là tout ça c'est goul pour le bail, OK? Yon tasse de rhum. Ou même ou doit mettre yon tasse de vin blanc. Aussi, ou ne doit pas mettre du tout, ça pas changer rien, hein? Mais la seule chose tout ça c'est bagaille qui peut apporter goût dans homard là. Qu'on a là moi mettre le bouillir. Je vais quitter ça bouillir au moins un bon 5 minutes pour que tout ça soit bien, bien, bien cuit là-dedans. Ça veut dire pour de l'eau vraiment bien goût, tout ça météo. Et puis après ça, je vais partir. Quand on a la même bouillie là, je vais faire 5 minutes là, qu'on a le mettre au moins là dans l'eau. L'eau, vous mettez le cuit, vous mettez la tête en bas, vous mettez la tête là-dedans, dans l'eau directement, et puis pour que vous ployez, ok? On a qui ça m'a fait m'a enlevé et la cicla dedans. C'est très important, fais attention parce que si le pique ou pendant zin. N'a mettez le premier bout de ça avant et puis qu'on a là, moi pour le retirer l'autre partie là. Moi repartir l'autre tête là et puis qu'on a la même mettre là. On bon une minute là même comme ça tête là dans l'eau. Faut qu'elle belle parce que pour qu'elle arrête bien solide dans main. Regarde. Là maintenant après une minute comme ça. Et maintenant, moi lâcher tout en dedans, moi la guette. Qu'on y a là, à partir de maintenant, on a contrôlé 17 minutes ou 20 minutes, ça va être parfait pour ça, moi le faire. C'est comme ça, yo cuit yon homard. Qu'on a après 17 minutes là, c'est prêt. On ferme mes moi. Qu'on a tout de suite. Nous finissons de retirer qu'on a là, faut nous mettre l'eau froide pour nous arrêter la cuisson. L'eau, mettez glace là-dedans parce que nous vraiment froid le maximum qui est possible. Nous mettons l'eau froide là, dans la cuisson arrêtée là. Ça veut dire. Nous allons quitter là pour le refroidir, ok? Mais là, nous-mêmes, ça nous va le faire là tantôt. Nous allons le faire si boucher avec nous, ok? Et qu'on a là, ça fait plus que une heure de temps. C'est prêt. C'est ça, ça veut dire cuit un homard. C'est prêt. Et qu'on a une fois bien refroidi, on a vu dans le mi-temps là. Il faut couteau bien filé là aussi là. Ok? Ou soutenir, bien soutenir. Et voilà. Qu'on a là, on va le retirer matière fécale là avec même de l'eau. Ok, je vais mettre dans l'eau froide. Et voilà. Et puis je vais conserver ça comme ça. Ouais, je vais mettre ma matière fécale là. Tiens, c'était plastique ça. On a là, mais des homards là, c'est fait là. C'est ça. C'est comme ça là. On a fait un bagage qui marchait beaucoup avec les homards. C'est beurre à l'ail. Montrez-nous comment ils font beurre à l'ail. Beurre à l'ail qui sont besoin. Ou besoin de beurre. Besoin l'ail haché, je vais mettre là-dedans. Je vais mettre selon les gens qui ont aimé, mais je vais mettre une quantité pour nous en balle, ok? Et puis avec persil haché. Voilà, moi-même, ben l'ail pas moi-même, ben non, pas sel, qu'on a qui ça me va faire, je vais mettre un petit sel là-dedans, ok? Une fois que je mette celle-là, qu'on a la ma brasser, je vais bien mélanger, très très bien mélanger ensemble, hein? Moi qui t'en fin fait, ça c'est déjà fait la belle là qu'on a là. Moi pour vous montrer nous comment pour nous conserver là. Avec un salan wrap là son papier
plastique lié, moi vini avec. Moi longe tout long sous planche moi. Là, moi mettez papier sous planche moi. Et pour nous conserver aussi. On sent bien, moi bien arrangé comme ça. Qu'on a là, moi pour le rouler dans le papier. On va le faire fond boule. C'est lui. La finie, finie, on est là. Regarde. Bien, on est là. Moi, je fais un nez à gauche. Moi, bien serré. Puis l'autre côté, c'est la même chose aussi. Qu'on y a là, c'est ça. C'est normal. C'est bien mou là. Parce qu'il y a une chaleur. Qu'on a, on va le mettre dans le congélateur. On va faire une déjà là. Là, vraiment dans le congélateur. Et puis sortir, on va le sortir pour montrer nous. Comment nous utiliser, ok? Congélateur, mais il sorti la li bien dur. Parce que nous, qu'on a montré nos cuitions au mar. Moi, juste fait un petit cuisson pour nous. On a montré nous qui j'en le faire avec homard, précisément. Qu'on a qui ça me fait prendre un couteau bien filé. Quand tu as besoin, normalement, sous pas de plastique pour faire comme ça, qu'on a même un faire, sous qu'on a mangé beurre tout le temps, la ka, ou beurre à l'ail tout le temps, ou quand on a fait un long bol. On a qui sont fait ou on y prend ou couper mettons pour ça moi le faire là moi couper une rondelle ça c'est avec moi va le faire morceau yon moitié homard ok qu'on a mis beurre mettez fou moi à chauffer mettez beurre à la dedans que beurre à fin fond fini avec homard là qu'on a la moi mettez le face en bas côté bien chair viande là pas dire il a toujours froid là. Qu'on a déposé lui, qu'on a la mettre en couverture sous lui. Pour l'année, juste faire une bonne condensation, prendre un petit liquide qui vient là-dedans et puis nous allons voir ça faire. Qu'on a la... Après, un genre 1 minute et demie ou bien 2 minutes comme ça, moi découvre lui, moi mettre pour moi très bas, ouais, c'est ça. Qu'on a là, moi-même, moi tourner. Il est en chaud déjà. Y a là c'est fait là c'est comme ça nous qu'a fait la canne et voilà comme on te dit nous déjà qu'on a la ça pour nous manger là c'est excellent la même balle coupe un petit cal là pour mener juste goûter pour moi qu'est ce que ça dit ok coupe un petit morceau passer non petit beurre là et puis voilà on va regarder moi qui ça dit waouh vraiment vraiment bon là c'est excellent ok. On va nous faire homard là. Comment, le but c'était comment vous cuit ton homard. Même tout banon de l'autre alternative. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui t'a pris la caille.